Bon, l'élite, on est en train de partir pour Grenade. On n'a pas eu le temps de filmer avant. Je suis dans le blablacar là avec Léna. Bon, j'essaie de filmer si je peux sur le chemin et on se retrouve à Grenade. 1, 2, 3, 4. Bon les mecs, on arrive à Grenade, on a déposé les valises à l'hôtel, on allait manger à un endroit et c'était pas terrible, terrible, Léna. Pas terrible. C'est de la merde. On a que 36 heures à Grenade, donc pas beaucoup de temps. Et on va aller dans le quartier oriental d'Aïbassi maintenant. Après on va essayer de monter sur un Mirador Saint-Nicolas, je crois. Et à l'endroit, on ira demain. Séville, c'était super beau, mais j'ai eu un peu plus de mal au niveau ambiance. C'était un peu trop touristique pour moi, Léna. C'est too much. En tout cas, là on va voir le petit quartier oriental où je compte bien boire un thé à la menthe en mode Marrakech avec des petits parfums. Peut-être des parfums, mais je ne sais pas, tu vois, peut-être des cornes de gazelle, on ne sait pas. D'ailleurs je suis avec une gazelle. Ah ben il est bon. Tu t'appelles à Marrakech, c'est une gazelle de partout. Ah ben il est bon. Ah ben bon, c'est la rue hein. On a vraiment rien vu, hein. Autant à Séville, j'avais vu quelques petits trucs avant, j'avais fait un genre de micro-repérage. Autant là je découvre vraiment à 200%. Léna adore les churros. Léna adore les churros. Non mais on se fait aujourd'hui pas de churros là. Attends. Non, pourquoi pas? Oui mais peut-être, mais pas tout de suite, tout de suite. Alors attends, tu penses qu'on prend cette rue ou celle-là? Viens, on prend celle-là. Parce que ça va être un festival de couleurs, Léna. J'avais envie de dire un festival de couleurs. Mm-hmm. C'est dommage que ce soit pas des vrais, ouais. Pas de chance. On se croirait à Lisbonne, ça fait que monter, il y en a marre. C'est extraordinaire, mais là ça monte grave. Bon, on va essayer d'arriver en haut, les mecs. Bon les mecs, je me réveille un tout petit peu pour donner l'impression à chaud. Franchement ça claque de folie. Le truc que tu te dis quand t'arrives dessus, c'est waouh. C'est grand, c'est imposant, c'est beau. C'est juste beau quoi, c'est pas ruiné. Tu sais, c'est pas des vieilles ruines de merde où tu vois qu'il reste la moitié. Apparemment pour pouvoir visiter à l'intérieur, il faut prendre les tickets un mois à l'avance. On n'a pas de tickets donc il va falloir essayer de trouver un peu comme on avait fait Alcazar avec Alexei. Mais de toute façon on va aller voir de plus près, on va aller voir le jardin. Il paraît que c'est super beau, il paraît que rien que le jardin vaut le coup. Franchement impressionnant, impressionnant. J'ai pas les mots là. Là franchement c'est dingue. Bon, il est temps de redescendre les amis. On est resté un petit moment avec la vue. C'était vraiment fantastique. Toujours à la recherche des cornes de gazelle et du thé à la menthe. Plein de petites maisons blanches. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. C'est vrai que les petites rues ici sont bien mieux entretenues. C'est vraiment bien, bien entretenu. Bon les mecs, on est dans le quartier Al-Baïsi, là. La rue, il y a tous les commerces, donc on m'avait dit que ça ressemblait un petit peu à un genre de souk, et c'est le cas, il y a pas mal de boutiques, c'est assez sympa, on va un petit peu se promener. On va se régaler avec ces petites cornes de gazelle pistache amande. Goûteux. C'est goûtu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Non, les mecs, on est sur le retour de notre excursion là. On a fait un peu le tour. Et puis là, par hasard, en rentrant à l'hôtel, voilà, on tombe sur la cathédrale de Grenade, assez jolie, Léna. C'est vieille ville, très très sympathique, avec des boutiques, des restos. Ah tiens, là, un petit peu de... Tiens, des herbes, des machins, ça sent très bon, d'ailleurs. Sympa, des petits piments, des petits trucs toujours sympas. Salut les mecs, donc c'est notre deuxième jour à Grenade. On a pris le petit-déj, on s'est levé assez tôt parce qu'on est en train de monter vers Alhambra. On m'a dit que c'était magnifique. Ça m'étonnerait qu'on réussisse à rentrer, mais on va quand même voir les jardins, on va quand même voir la vue, on va quand même profiter. Et si la chance nous sourit, on pourra visiter aussi.
la situation. No tickets for the next month. Pas de tickets jusqu'au mois prochain. Ça faut le savoir, c'est-à-dire si vous venez, il faut prendre vos tickets un mois à l'avance. C'est quand même une information importante, il y en a qui vient de nous lâcher. Mais on peut essayer de faire comme Alexei. Donc de toute façon, rien n'est perdu, ce sera l'occasion de revenir au cas où parce qu'on n'a pas fait Cordoba. Cordoba. De toute façon, on a des choses à refaire en Andalousie. On revient. Niveau de sueur maximum, PLS niveau 1000, parce qu'en fait on a fait tout le tour, et en fait on arrive devant Alhambra, mais ce qui se passe en fait c'est qu'on se retrouve devant ça. Et du coup en fait on va être obligé de refaire tout le tour qu'on vient de faire. Yes. Ah en fait on ne sait pas. Non lo sé. Ah ok. We walk and we arrived here and we have to go back. It's very far, but I don't know how to get there. Ah, oh, okay. Mucho complicado. Okay. Mucho complicado. Mucho complicado, mais ils sont en PLS aussi. Ils savent pas comment venir où on est. Et nous, on sait pas comment aller où ils sont. Donc, j'ai envie de te dire, on va tenter notre chance. On va essayer de trouver Alhambra quand même, parce qu'on a rendez-vous avec Louisone à 14h. On est en sueur, là, Liena. Mucho. Mucho complicado. Si, claro. Claro que si. No me gusta. No te gusta? Esta no me gusta. Esta no te gusta. Bon, écoutez, on va essayer d'y arriver. On fait ce qu'on peut. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein? Ne t'inquiète pas. Tu penses qu'il cherche sa femme? En tout cas, c'est bon signe puisqu'on a retrouvé le pan, donc c'est qu'on a retrouvé la bonne direction. Mais là, il est filmé, donc il doit être très heureux. Ouais. Je suis très très heureux là, non? Je pense que c'est... Il a fait un vraiment joli. Bon, allez, on va aller voir Alhambra. Bon, les mecs, c'est génial. Parce qu'en fait, ce qu'on vient de visiter, c'est pas du tout le parc Alhambra. C'est le parc Martírez. Martírez, ouais, je crois que c'était le parc Martírez. Enfin, en gros, c'est le niveau de sueur maximum. On a visité un truc qui était assez joli pour la peine, mais c'était pas du tout où on voulait aller. Donc maintenant, on est en train d'essayer d'aller au bon endroit. Voilà les péripéties d'un voyage non préparé, disais-je. C'est le mot trop compliqué pour moi. On n'avait pas préparé notre coup en gros. Mais bon, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, tu sais pas où tu vas. Enfin bon, c'est un peu pas super bien indiqué non plus. Et puis comme t'es quand même super proche d'Alhambra, tu te dis quand même que t'arrivais. Mais bon voilà, ouais, c'était joli. Et donc on va faire un deuxième essai. Bon, l'élite, la PLS continue puisqu'il n'y a plus aucun ticket pour rien. Que ce soit pour les jardins, pour visiter la verre d'Alhambra, il n'y a juste rien jusque minimum 3 mai. Donc vraiment, si vous venez à Grenade, réservez vos billets avant. Si vous voulez tout visiter, il y a carrément un mois d'attente, voire même plus. C'est quand même une information importante. Cependant, on va tenter un truc, c'est de regarder à minuit une s'il y a des tickets qui sont libres sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pu annuler et il y a des tickets qui peuvent devenir disponibles à minuit une. On pourrait venir éventuellement à 8h, 9h pour visiter. Mais on peut quand même faire une petite visite, alors on sait pas ce que ça vaut, mais autour d'Alhambra. Et puis voilà, on va un tout petit peu se promener ici, puis on va aller déjeuner avec Louisone. On va rencontrer Louisone. Je suis content de rencontrer Louisone. Ouais, j'ai vu sur Internet, j'ai vu ses vidéos sur Twitch et tout, j'ai jamais vu en vrai, donc tu vois, c'est un peu, tu vois. Hein. Puis en plus, il a peut-être des infos sur Visitas. Il le connaît, il m'a dit, je connais, elle Risitas, tu vois. La chante là. Elle va rien d'or.
j'attends à qui. Hola chicos. Hola a todo el mundo. Nosotros somos con Luisón. Luisón es un informador de risitas. Sí, y suelo llevar una nariz de payaso, pero hoy no la tengo. Y je comprends rien à ce qu'il dit les mecs, faut sous-titrer. We are going to meet Risitas just now. Just he's waiting for us. Okay. When he has known that you are coming, it's it's crazy. Okay. As yeah, crazy he, he's with the payeras, bañador, sure. La chancla. As always, sure. Okay, vamos. Vamos. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos con el Risita, que nos está esperando. Super vue sur Grenade et sur les montagnes, et on s'est pris un petit côté à une petite piña colada, sympatoche. Peggy 18. Bon les mecs, on est parti pour aller visiter Alhambra avec Léna, épisode 2 ou 3, je sais même plus. Mais en gros, ce qui s'est passé hier, c'est que je me suis connecté sur le site à minuit pile, il n'y avait pas de billets. Mais à minuit 01, j'ai recliqué sur refresh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux billets pour les jardins. Et donc, on va voir les jardins, c'est exactement ce qu'on voulait voir. Et on est en train de monter par un autre chemin, en espérant qu'on y arrive, parce que vu les péripéties pour monter à Alhambra, on galère. Mais bon, normalement, le GPS se trompe pas. Sérieux, je peux pas vous exprimer à quel point je suis heureux d'être venu ici. Et ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. La vue que j'ai en face de moi, c'est somptueux. Ben, vous l'avez sûrement vu avant au montage. C'est quelque chose, c'est à voir. Bon les mecs, juste un truc de ouf, en fait, il y a un hôtel à l'intérieur d'Alhambra. Fallait le dire quoi. Ça va être vraiment très sympa là pour la peine. Ouais, il y a 4 étoiles. Ouais, bon, il y a 4 étoiles, mais bon, enfin, c'est pas des étoiles éco plus quoi. Bon, du coup, je dis ça, je dis rien. Bon les mecs, il est temps de mettre fin à ses vacances en Andalousie. 6 jours c'était pas assez, clairement il faudrait passer une dizaine de jours pour vraiment avoir le temps de prendre le temps et tout voir. Nous, on n'a pas pu faire Cordoba, on n'a pas pu faire Malaga. Bah là on est au sommet de l'Alcazaba avec une vue 360 degrés sur toute l'Andalousie. Donc meilleur endroit pour finir ce vlog et je vous dis à bientôt, ciao. Moi je cherche toujours mes chaussettes, Léna. Pour moi je trouve pas. Comment elle fait ta copine pour rester qu'un mec comme toi, sans déconner?